Fils et filles du bon Dieu, volons sa main de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi dans l'octave de Pâques. Alléluia. Christ est le Sauveur. Il nous convie à son repas pour y refaire nos forces. D'abord, la première lecture. Nous y sommes encore dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4, les 12 premiers versets. Hors du Christ, pas de salut, fils et filles du bon Dieu. Oui. Comparaison pour la première fois devant les autorités responsables de la mort du Christ, les apôtres, témoins de sa résurrection, proclament que Jésus est le seul sauveur, celui qui vient pour chacun de nous, celui qui vient délivrer chacun de nous. Oui, Pierre et Jean sont en prisonnier. Après leur miracle du boiteux, les voici qui passent en prison leur première nuit jusqu'au lendemain. Ce ne serait pas la dernière fois. Les Actes des Apôtres sont remplis d'émeutes, d'arrestations, de prisons. Pierre terminera d'ailleurs sa vie en prison à Rome à cause de l'évangile en annonçant la bonne nouvelle. Fils et filles du bon Dieu, emprisonnés pour avoir annoncé la résurrection, Pierre et Jean annonçaient la résurrection à travers un boiteux qui avait guéri. Oui, le mystère du Christ est beaucoup plus présent que nous le pensons d'habitude. Tout homme qui se lève, tout homme qui domine le mal, tout homme qui surmonte une difficulté ou un péché passe de la mort à la vie, fils et fille du bon Dieu. Oui, l'acteur principal des apôtres, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint. Oui, fils et filles du bon Dieu. Comme quoi, nous également, nous sommes appelés à nous laisser, à être dociles à l'action de l'Esprit Saint. Abandonne-toi à l'Esprit Saint. Laisse l'Esprit Saint conduire ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, on s'imagine trop souvent les apôtres comme des gens extraordinaires. Or, rien n'est plus simple que leur vie. Ce sont des hommes qui se sont laissés remplir par l'Esprit Saint. Oui. Oui, fils et filles du bon Dieu, rien ne va arrêter les apôtres à annoncer la bonne nouvelle. Le texte nous dit, sachez, c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme est là devant vous, bien portant. Oui, fils et filles du bon Dieu, son credo est encore très simple. À cette époque-là, et il le répète avec obstination, je crois en Jésus-Christ crucifié, ressuscité, actif aujourd'hui dans le monde. C'est lui, la pierre qui fut rejetée par vous, les bâtisseurs, et qui est devenue la pierre d'angle. Et le salut ne se trouve en aucun autre, oui, impuissance de l'homme à résoudre ses propres problèmes les plus essentiels. La faim, le développement, le cancer, la guerre, la mort, ou plus simplement la concertation et la compréhension réciproque. Oui, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si les hommes et les femmes acceptaient de vivre selon Jésus-Christ, il est bien vrai que beaucoup des grands problèmes avanceraient davantage, trouveront des solutions. Oui, Jésus Sauveur, sauve-nous. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 21, les 14 premiers versets, la pêche miraculeuse. Par le signe qu'il donne aux apôtres, le Christ veut être reconnu d'eux et leur apprendre qu'ils peuvent accomplir avec confiance leur mission, car il est toujours avec eux. Il est toujours avec nous, fils et filles du bon Dieu. Là, nous sommes en Galilée, au bord du beau lac de Tibériade. Non, les apôtres n'ont point inventé la résurrection. On les retrouve tels qu'ils étaient, des gens simples qui se donnent sans arrière-pensée à d'humbles travaux manuels. Essayons d'imaginer cette pêche miraculeuse où Simon, Pierre dit à Thomas, à Nathanaël, au fils de Zébédée et à deux autres, « Je pars à la pêche. » Ils répliquèrent, « Nous allons avec toi. » Fils et fille du bon Dieu, rien. L'échec. Le travail inutile apparemment. Cela arrive à tout homme parce qu'ils ont passé toute une nuit sans rien avoir. Fils et filles du bon Dieu, oui, ça arrive en tout un chacun de nous, des échecs dans notre vie, mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer toujours à persévérer, fils et filles du bon Dieu.
Oui, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Passer la nuit. La nuit, c'est-à-dire une vie sans Jésus-Christ. Lorsqu'on a une vie avec Jésus-Christ, c'est là où nous recevons de la grâce. Et lorsque nous sommes dans la nuit, à ce moment-là, Dieu, Jésus, n'est pas avec nous. Ça peut être la nuit du péché, la nuit du Congossa, la nuit des mauvais comportements, la nuit de la destruction des autres, la nuit de la haine. Non, fils et fille du bon Dieu, allons vers la lumière de Jésus-Christ. Oui, le texte nous dit, au lever du jour, Jésus était là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Au lever du jour, c'est déjà le jour comme quoi la résurrection nous fait passer des ténèbres de la nuit vers le jour, vers la lumière, fils et filles du bon Dieu. Oui, ils vont tout à l'heure découvrir sa présence au milieu de leurs occupations professionnelles ordinaires. Pour le moment, le Seigneur est là, mais ils ne le savent pas. Oui, fils et filles du bon Dieu, le Seigneur rejoint chacun de nous à travers nos préoccupations. Il est solidaire avec nous, en marchant avec nous, pour relever chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Et de là, qu'est-ce qu'il va dire? Une bouleversante familiarité. Jésus, une fois de plus, prend l'initiative. Il s'intéresse aux problèmes concrets de ses pécheurs. Il s'intéresse aux problèmes concrets de chacun de nous. Il dit, jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. Fils et filles du bon Dieu, quelle confiance. Oui, contemple Jésus qui donne cet ordre-là, qui prend les initiatives. Il prend encore l'initiative dans notre vie. Jetez donc les filets. Il n'avait plus à l'amener tellement il y avait de poissons. Oui, fils et filles du bon Dieu. Alors les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. Aimer Jésus, c'est le reconnaître dans le quotidien de notre vie, de ce qu'il fait dans notre vie, fils et fille du bon Dieu. C'est vraiment une constante. Oui, le Seigneur est là. Il faut le reconnaître, fils et fille du bon Dieu. Il fait des signes dans notre vie. À chaque instant, il intervient. À nous de reconnaître son action. Un signe que celui qui aimait a compris le premier. Quand on sème, on se devine à demi-mot, fils et fille du bon Dieu. Oui, Jésus dit alors, venez déjeuner. Jésus s'approche, prend le pain et il leur donne ainsi que le poisson. Fils et fille du bon Dieu. Toujours cet autre signe mystérieux du pain donné, du repas pris ensemble, dont Jésus prend l'initiative que Jésus sert. Fils et fille du bon Dieu. La vie de tous les jours prend désormais pour eux une dimension nouvelle. Tâches professionnelles, repas, rencontre des autres. Jésus y est caché, fils et fille du bon Dieu. Jésus est là dans notre vie. Jésus est là pour orienter chacun de nous, à nous de demeurer dans cette persévérance priante, de demeurer dans cette relation avec le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu et de mettre cette parole en pratique, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesoutounou. Depuis la paroisse Saint-Michel d'Enkembo, c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous. N'oublions pas. Kipé, Yayo, occupe-toi de tes affaires pendant cette octave, fils et fille du bon Dieu. Est-ce que tu es réellement ressuscité? Est-ce que ta famille est ressuscitée? Sois témoin de la résurrection, fils et fille du bon Dieu. Donc, te conseille également en tout et chacun de vous. Merci Seigneur.
Gloire.